Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. On va parler au curton. Ouais, bah je viens de voir, t'es obligé de te couper en plein milieu de ta Bible, hein. Excuse-moi. Je suis heureux de voir que tu t'impliques. On a besoin de toi. Bah surtout que j'ai fait deux régions avant, donc c'est pas que je m'implique, c'est que je m'en occupe. Et très franchement, je suis dépassé. Oh. Ces gens ont besoin de moi. Ils sont sous ma responsabilité. Mais ça veut dire qu'il m'est difficile de suivre les activités de la résistance. À l'occasion, tu pourrais t'assurer que tout va bien à l'élevage de porc des Woodson à l'est. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques jours et ça m'inquiète. Bah oui, j'ai que ça à foutre. On va se permettre de perdre le moindre partisan. On vous est tous vraiment reconnaissants. Pas le moindre cochon surtout, hein. Seigneur. Je ne vais rien dire sur le sujet d'un chrétien qui me demande d'aller vérifier comment vont des cochons, hein. Il y a moyen de faire des blagues moisies. Je suis curieux de voir si ça marche. Ça marche. Cool. Oh, il y a des moufettes dans le coin. Ok, j'imagine que je vais pas tarder à arriver, chers amis. Avec le Widowmaker. Officier, c'est le passeur Jérôme. Si tu es près de l'élevage de Woodson, fais attention. La secte tuera ses otages si jamais elle t'aperçoit. Oh. Attaque-les discrètement. Sinon, ce sera un massacre. Ce camion vient de nulle part. N'ayez pas peur. Ok, il y a un mec qui se fait taper à l'intérieur. Rien vu, rien entendu. Et de deux. Oh. Non, tu ne buteras pas les otages. Par contre, ils ont buté les... écarte-toi des flammes. Le chien, tu es sauf. Je t'ai pris pour un otage, mais... apparemment, je me suis planté. Debout. Oh là, Eden Gate bloque les routes. Il manque un otage, ici. Tiens, cochon, mange l'homme. Ok. On a sauvé tout le monde. Sécuriser l'élevage. Apparemment, c'est pas fait. Oh! Oh bah, tu t'es pris une grenade au plâtre, toi, bonhomme. Ok. T'as encore fait des étincelles. T'as vu ça? Avec des éclats comme ça, la résistance prend de l'ampleur. Des gens sont plus forts aujourd'hui et c'est grâce à toi. C'est comme l'histoire de David et Goliath. Tu inspires le courage. Oh, j'inspire le courage, c'est joli. Le ralenti. Officier, c'est Marie-Mé à Folzen. Oui, bonjour. Ah, c'est gentil. Merde, c'était un civil. Lui, c'était pas un civil. John va envoyer tout ce qu'il a pour vous arrêter. Des hélicos, des convois armés, peut-être même des élus, les soldats d'élite de la secte. Ils sont dangereux, officier. Surtout, restez bien sur vos gardes. Oui, madame. Officier, officier, écoutez un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un véritable char d'assaut, c'est joli ça. Ah bah j'arrive alors. Salut officier. Bonjour. Avec tout ce que tu fais pour nous, la résistance a pu faire un ravitaillement complet. Passe faire... Qu'est-ce que... Pourquoi tu t'es fait couper? J'ai pris la main des otages que tu as délivrés et nous avons prié. Prié pour que Dieu... qui ont besoin de nous. Plus nous sauverons de personnes, plus nous avons une chance de remporter ce combat. Je fournis le refuge, et toi, tu guides le troupeau jusqu'à la maison. Ok, où est ce révélateur? Oh merde.
Oh merde, ils ont pris cher. Oui, je te relève, madame. Vas-y, relève-toi. C'est pas la forme, apparemment. Bah alors, les mecs. Ah d'accord, je pouvais pas tous les sauver, je pense. Oui, monsieur, je vais voir l'autre poste de contrôle. Bah alors, les mecs, vous êtes pas fait défoncer ici aussi? Oh putain, le mec, le machin arrive. Le machin arrive, le machin arrive, le machin arrive. Mais le turbo, on peut y arriver. Faut y aller à fond, faut pas que ce truc passe. Putain, faut qu'on le suive. Y'a pas moyen d'arrêter ce truc. Qu'est-ce qu'on fait? Merde. Oh putain, ça continue. Poussez-vous, je crois que c'est tapé dedans. Oh, débilos. Ah! Bah. Bon bah. Ça s'est fait? L'explosion jusqu'ici. Je reviens pas que vous ayez réussi. Officier. Oh merde! Tout le monde a une dette envers vous et on pourra jamais assez vous remercier. Nos routes sont à nouveau sûres et c'est grâce à vous. Bon, je sais que Dutch vous a fait cavaler dans tous les sens, mais si vous voulez venir tailler le bout de gras, n'hésitez pas. Merci pour tout, officier. Bah, je vous en prie. Je vous en prie, ma petite dame, je pensais pouvoir récupérer le camion à la fin, mais... Mais apparemment, non. Légère déception. Le péché est un poison. Oh. Il nous pousse à commettre. Non, le péché est un arbre. Je sais ce qui te pousse à agir. Je connais ce sentiment. Plus que tu crois. Oh. Je peux t'aider. Ah mais non, mais c'est bon. Oh. Tu fais pas comme Sam Winchester, tu lèves la main, puis flouc. Plus rien. Oh. Mais j'aime qu'on me résiste et j'aime résister. Oh. Oui, monsieur. Ah merde, je crois que j'ai tué un otage. Encore. Un de plus. Il l'a buté. Oula. Des balles de grâce. Des balles de grâce. Aïe, aïe, aïe. J'y vois plus rien. Ah, des balles de grâce, je sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est encore un moyen de me kidnapper. Non, celui-là. Ils me reconnaissent même pas, les mecs. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. La quoi? Mais non, j'aime bien, hein, je suis sale à l'intérieur. Ça me va très bien. Nous pourrons voir la lumière divine. Connard. Et franchir la porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Mais putain, je suis un homme. Celle-là n'est pas pure. Je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Et oui, mon style correspond bien à mon état civil. Chut. La purification t'amuse, John? Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler.
Amène-moi celui-là. Ah, bah là, vous vous plantez pas. Non, pas de câlin. Non, s'il te plaît, pas de câlin. Je veux pas... Même si je pouvais éviter de te toucher, en fait. Ah, putain, tu me touches les joues. Pourquoi tu fais ça? En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard, ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Celui-ci va réussir son expiation. Ou la porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, Joseph. Mouais. Mouais. Tu te confesseras tous les péchés que tu as commis, même s'ils sont véniels. Véniels. Je vous mettrai une traduction Google de véniel. Nous verrons si tu es digne. Ça va être rigolo. Tu m'as pris pour Thor. Je suis digne du marteau. Mais bonjour. Si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non? Non, ce sera pire. Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu le portes à fleur de peau avant que John Seed ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré. Je vais pas vous mentir, je l'avais prévu, mais je crois que depuis l'instant on s'est réveillé dans la voiture. Ça se passe toujours comme ça. En fait, ces dialogues se passent toujours de la même manière. Un mec parle. Potentielle intervention de Joseph. Le mec te reparle. Et voie de sortie. Que ça soit le mec qui t'en sort. Que ça soit le réveil qui se fait ailleurs. Et dans ce cas-là, tu as des cadavres autour de toi. Et tu es tout seul. Il y a toujours ce espèce de schéma qui arrive. Ni ne leur fera grâce. Wouh ! Tu viens de gagner 1 milliard de points d'expérience dans mon niveau d'estime. Ce qui te fait à peu près niveau 52-53, ce qui est pas mal. On a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. Ce qui est la seule chose que j'aime pas, et ça c'est en termes de goût, c'est les lunettes à écailles. Je trouve ça vraiment... c'est des gentils ou c'est des méchants, ça? Bah, c'était un gentil. Hop là! Pardon le snipe, t'es pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien? Oh bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, c'est bon. Bon, on fait plus dans le... Moi, je fais dans le rose, maintenant. Voilà, c'est sécurité. Je disais, c'est sécurité. Vous faites exprès, c'est pas possible. Oh, bien, la sortie à deux. Vous savez quoi, je vais garder mes couteaux de lancer. Hop. Raté. Pardon, je t'avais pas vu, toi. Un de moins. Hop. Oh, je t'ai tellement raté, bout. Ah, là toi je t'ai pas loupé par contre hein. Ok, c'est sécurisé. Bonjour madame. Vous êtes...
Monsieur, pardon. Je crois qu'il fallait que j'aille parler à Marie, mais... Jamais ce bunker. Par ici, officier. Bonjour. Il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. On t'a retrouvé, mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils emmerdent avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. Moi j'aimerais bien avoir mon camion, moi en fait, tu vois le truc, mais... On peut pas laisser les hommes descendre. C'est que ce bordel là-haut. Merde, ils ont des otages. Oh, ça va tellement être en mode ninja mitrailleur. Vache, ils font tout péter. Ah ! Bande d'enfoirés. Bombe ! Si ça me tue... Non, ça va bien. Taïo ! On arrête le mode ninja, j'ai hurlé Taïo, c'est pas pour rien. Tu n'as rien pu me dire. Couché. Bon, je pense qu'on est bon. Merde, debout. Bon dieu de merde. Merci, officier. J'ai cru que j'étais cuit. On a envoyé un hélico pour te chercher. Tiens bon jusqu'à ce qu'il arrive. T'es stylé, merde. Dis donc, t'as la même coupe de cheveux que moi en plus. Quoi, survivez jusqu'à pendant 2 minutes. Je sens la tension qui monte. Ok. C'est bien tendu. C'est tellement tendu que je peux faire sécher mon linge. Où est-ce que tu me shootes? Putain, j'y vois que dalle. Hein. Leur fumigène est pratique. Ah putain, il est là-bas le mec. Hop là, tu flottes. Oh, le burn shot. Hop là, j'en ai vu un derrière. C'est quoi t'en fais ? Reste sa gueule. Ça va faire mal. Oups. Effectivement, celui-là, je l'ai senti venir. Lui aussi, il l'a senti venir. Ah merde, j'étais un peu trop gourmand sur ce... J'ai déjà plus de balles de snipe. Ah mon dieu. Ah vache. J'ai pas... Recule. Ah! Ah! Comment t'as fait pour me louper? Cassez-vous! Dégage. Dégage. Vas-y, reste bien aligné. Oh. 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 C'était tellement parfait. Pourquoi je me prends des tirs? Aïe, là je vais mourir. Voilà, j'ai été trop courageux.
trop brave. Je l'ai senti. Je l'ai senti que j'avais fait... J'avais eu trop de bravoure. C'est vrai que c'est pratique aussi comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche très très bien. C'est Sparta! Ah merde! Ah le boot c'est pas ça hein! Non mais. Oh! Oh, je l'ai déjà automatiquement récupéré. Hop, lui aussi, je l'ai récupéré aussi sec. Wouhou! Putain, bouffez-vous ça. Merde. Voilà. Ah bah là, vous venez plus d'un coup. Hein. Il est où? Ici! Marche pas des masses hein, ici Sparta. C'est parti! Casse-toi de là! J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure! Bon Dieu, officier! Tu nous as vraiment sauvé la vie! Ouais, c'était pas mal l'idée de flamber le pont. Finalement, j'aurais peut-être dû faire ça dès le départ. C'est bio! Bon, ça fume un peu de partout encore parce qu'on vient à peine d'arriver, mais. What? Oh, pauvre Bichette. Calme. Blom. Ah non, ça va. Bon, merde. On va devenir copains, je pense. Merle, vous retrouvera toujours. Cool. Bah, à plus, merde, alors. Salut, mec. Comment ça va? Pas de neuf, mon pote. Bonjour. Ah, bonsoir. J'ai entendu ce qui s'était passé. Heureusement que Jérôme est là, hein. T'as fait du beau boulot en évitant à ces gens la purification de John. Bon, il va être furieux, mais il peut bien aller se faire foutre. Continue comme ça. Terminé. Oui, monsieur. Oula, il y a un de nos potes qui se fait agresser violemment. Aïe. Aïe. Non, mais décède.
Debout, bonhomme. Je sais pas qui t'es. Le curto? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Merci beaucoup. Je t'en prie. Et boum. Kaboum. Merci. Ok, j'ai fini le troupeau égaré, j'ai pas trop compris comment se fait. Peut-être parce que j'ai sauvé une personne, peut-être. Je sais pas qui, mais je l'ai sauvé apparemment. Mission terminée, 600 RP, cool. Un barrage! Oui! Et de 1! Et de 2! Et de 3! Et je crois qu'il y en a un qui est passé sous mes roues. Et il y en a un autre qui est mort. Poussez-vous de mon chemin. Ah. Voilà un des fameux camions citernes. Voilà un monsieur à alarme. Elle est somme toute assez seule avec son mec qui est en train de réparer le truc. On dirait même qu'il n'y a plus personne. Moi je répare comme ça. Je suis pas sûr que je devais passer par là, mais au moins il est ramené le truc. Je vais pas vous plaindre. Il faut que je le ramène où précisément? Ok, juste au milieu de la ville, comme ça. Merde, y'en a un là-bas! Fais chier! Oh oui! Il a fait demi-tour, ce couillon! Il a fait demi-tour, ce couillon! Ok, donc là il y a un mec. Donc là il y avait deux hommes qui voulaient ma mort. Il y a même tellement d'hommes qui veulent ma mort que ça en devient presque étrange. Et un de buté en plus. Ouah, il s'est buté par le poulet! Bon, par contre, il est possible que j'ai un peu pété des pneus du véhicule. Mais... Oula, eh oh! Mais les pneus repoussent, c'est génial! Plus qu'à ramener ça. Et toc, voilà qui conclut notre épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve dans le prochain pour la suite de notre aventure dans Far Cry 5. 600 RP, on est à deux doigts d'avoir le rang 3 déjà. Avec cette essence, la résistance va pouvoir continuer de patrouiller. Et si ce que j'entends est vrai, on va en avoir besoin. La secte a envoyé des gros camions. Depuis qu'on a repris le Widowmaker, ils ont essayé de regagner le contrôle des routes. D'accord. Merci, madame. Allez, à plus, les gens.